Salut à tous, bon, on se retrouve aujourd'hui sur MotoGP et on va continuer là où on s'est arrêté la dernière fois. Allez, hop, c'est parti, on commence le week-end. Bienvenue sur le circuit international de Sepang. Nous sommes en direct du Grand Prix de Malaisie, l'un des plus exigeants du calendrier. La ligne des stands se remplit déjà. Les pilotes vont bientôt se lancer dans la première séance d'essai. Allez hop, on rejoint le circuit et on départ lancé. Terminé de préparer la moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. Shit.
aïe. Pas tourner. Et bah ça va tourner quand même. Allez, chute, ça hop, c'est clair.
bon Dieu. Allez, hop, rentre dedans. Le pilote rentre au stand pour débriefer de la prochaine étape avec son équipe. Allez, danse en direct, on avance tout ça. Bon, voilà, premier. Allez hop, on continue. Nous sommes de retour sur le circuit pour la deuxième séance d'essai. Ce sera la dernière chance pour les pilotes MotoGP d'aller directement en Q2. On rejoint le circuit et on départ lancé. Les mécaniciens sortent la moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher. Allez, hop.
encore la chute au même endroit.
Nous nous rendons à l'entrée des stands, où le pilote semble vouloir discuter de quelque chose avec son ingénieur. Allez, séance en direct. Et on avance un peu le temps. Voyons voir en premier. Cool. Allez, on continue. Jetons aussi un coup d'œil au classement combiné de MotoGP. La première séance de qualification vient de se terminer. Nous allons donc basculer sur la deuxième séance de qualification MotoGP. 12 pilotes s'affronteront lors des 15 prochaines minutes. Allez, on rejoint le circuit, et toujours en départ lancé. Dans les stands, la moto est prête, et le pilote va prendre la piste. Changement de vitesse. Thank you.
tous. Vas-y, grosse gamelle là. La gueule, comme ça, hop, on n'en parle plus. Mais bon, ça devrait suffire.
hop, on se couche. Nous nous rendons à l'entrée des stands, où le pilote semble vouloir discuter de quelque chose avec son ingénieur. Allez, séance en direct, on avance tout ça. La deuxième séance de qualification de MotoGP s'arrête ici. Premier. Le classement. Bienvenue tout le monde. Nous revoici pour l'événement principal de ce samedi, le sprint. La course va durer deux fois moins de temps que celle de demain, mais la compétition reste tout aussi acharnée. Nous sommes en direct de la grille où les équipes inspectent une dernière fois les motos. À l'extinction des feux rouges, tout reposera sur les épaules des pilotes. Nous Allez, sommes à quelques secondes du départ. On rejoint le circuit. Hop, c'est parti. Qui sera le vainqueur du Grand Prix de Malaisie ? Les pilotes ont achevé leur tour de chauffe et sont alignés sur la grille de Sepang, prêts pour le départ. Virage va être dur. C'est bien ce que je disais. Calme là. Allez hop, tête. Bien là. Ah,
7. Voilà, premier. Alors que les pilotes en terminent, regardons le classement. Bonjour à tous les fans de MotoGP sur le circuit de Sepang. Nous allons vous faire vivre en direct la ferveur du Grand Prix de Malaisie. Et nous voici sur la grille de départ où tout le monde se prépare au départ de la course. Des nuages couvrent le circuit et les prévisions n'annoncent pas de pluie. Les pilotes. Sera le vainqueur du Grand Prix de Malaisie. Les pilotes ont achevé leur tour de chauffe et sont alignés sur la grille de Sepang, prêts pour le départ.
Allez, c'est bon. Oh là là, le bordel. Fauchage. Aïe. Oh, ça se passe bien.
Et bim. Les derniers tours. Ça veut toujours pas. Regardons le classement final de la course MotoGP avant la traditionnelle cérémonie du podium. Nous nous rendons maintenant vers le parc fermé où les pilotes du top 3 arrivent tout juste. Le vainqueur est fou de joie et vient célébrer la victoire avec tous les membres de son équipe. La cérémonie de clôture du Grand Prix. Les trois pilotes du podium nous ont offert une grande course. Ils peuvent maintenant profiter de la chaleur du public.
bien, bien. Allez, hop, on continue. Hop, vous avez un nouveau message. Alors, elle doit faire attention quand on touche un autre pilote sur le circuit. C'est extrêmement dangereux. Je sais qu'il faut repousser ses limites, mais personne n'a envie d'être blessé. Hop, et on continue, nous. On a commencé. Et on commence le week-end. Bienvenue sur le circuit international de Lusail. Nous sommes en direct du Qatar pour le lancement d'un nouveau week-end de compétition. La ligne des stands se remplit déjà. Les pilotes vont bientôt se lancer dans la première séance d'essai. Encore cette année, la tradition de la météo parfaite est respectée ici au Qatar. Le ciel est complètement dégagé et aucune modification n'est à prévoir pour le week-end. Allez. Bonjour le circuit, on départ lancé. Pilote avance d'un pas assuré vers sa moto pour prendre la piste. Choc. Mm-hmm.
Rentrer dans les stands. La réalisation nous emmène à l'intérieur du stand où l'équipe attend le retour de son pilote. Allez, silence en direct. Hop, on avance tout ça. Dans quelques instants, nous serons en direct de la deuxième séance d'essai. Seuls les 10 meilleurs pilotes des classements combinés iront directement en Q2. Les autres s'affronteront pour les deux places restantes en Q1. Allez, on rejoint le circuit et on départ lancé. Les mécaniciens sortent la moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher.
retour au stand. Nous nous rendons à l'entrée des stands, où le pilote semble vouloir discuter de quelque chose avec son ingénieur. Lance en direct, on ramasse tout ça. Et voilà, premier. C'est la fin des essais et nous avons le nom des DIP. Et nous sommes de retour sur le circuit pour la deuxième séance de qualification MotoGP. N'oubliez pas que cette séance durera 15 minutes et que les 12 meilleurs pilotes s'affronteront. Allez, on est parti. On rejoint le circuit et on départ lancé. Dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre la piste. Mm-hmm.
hop, direction les stands. La réalisation nous emmène à l'intérieur du stand où l'équipe attend le retour de son pilote. Et on s'en direct, on avance tout ça. Jetons un coup d'œil au classement. Nous sommes de retour sur la grille de départ où tout est prêt pour le lancement du sprint. Les points en jeu totalisent la moitié de ceux de la course de demain. Mais tout le monde cherchera à réaliser une belle performance. Nous sommes sur la grille de départ où le lancement du sprint est imminent. Allez, on rejoint le circuit. Hop. Les pilotes ont terminé le tour de reconnaissance. Il est important d'avoir chauffé les pneus pour ne pas avoir de problème au virage 2 et 6. Les yeux sont rivés sur les feux pour le départ du Grand Prix du Qatar.
Et hop là, premier. Pendant que les pilotes profitent d'un tour d'honneur bien mérité. Et hop, on continue. Bienvenue dans la péninsule Qatari. Nous sommes sur le circuit international de Lusail, près de la capitale, Doha. Dans quelques instants... Allez hop, on y va. Les caméras nous emmènent sur la grille de départ, où pilotes et ingénieurs discutent des derniers détails. Ont terminé le tour de reconnaissance. Il est important d'avoir chauffé les pneus pour ne pas avoir de problème au virage 2 et 6. Les yeux sont rivés sur les feux pour le départ du Grand Prix du Qatar. Belle brochette. La moitié tombe là. La la la.
Allez, dernier tour.
Et voilà. En attendant que les caméras nous mènent jusqu'au parc fermé à la rencontre des stars du jour. Les caméras nous mènent au parc fermé avec le vainqueur de la course qui célèbre sa victoire avec ses mécaniciens. S'il continue comme ça, ce sera compliqué pour ses adversaires de le rattraper. Nous sommes de retour en direct sur le circuit pour la cérémonie du podium. Ces trois pilotes ont fait une course extraordinaire et méritent vraiment les hommages de la foule dans les tribunes. Bien. Hop, allez, on y go. Jusqu'au dernier virage. De nouveaux messages. Hop, la saison est terminée, c'était fun. L'année prochaine, on espère obtenir un peu plus de résultats. Je n'ai pas fait assez pour l'écurie. La belle perf de M complique encore plus le week-end. Il faudra se rattraper à Valence. Ouais, si tu veux. Allez, hop. Non, encore un. Non, il n'y a plus rien. Et hop là. Ok, allez, on continue. Hop, on commence le week-end. Salut à tous les fans de moto ici présents. Nous sommes en direct du circuit de Valence, prêts à lancer une nouvelle manche de MotoGP. La ligne des stands se remplit déjà. Les pilotes vont bientôt se lancer dans la première séance d'essai. Allez, rejoins le circuit, t'es pas lancé. Dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre la piste.
rentre dans les stands. De retour avec des images en direct de la pit lane où le pilote rejoint son stand. Hop, séance en direct, on avance tout ça. Et voilà, premier. Dans quelques instants, nous serons en direct de la deuxième séance d'essai. Seuls les 10 meilleurs pilotes des classements combinés iront directement en Q2. Les autres s'affronteront pour les deux places restantes en Q1. Allez, on est parti dans le circuit. On départ lancé. La moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher.
Et hop, on rentre dans les stands. Et doucement. Nous nous rendons à l'entrée des stands où le pilote semble vouloir discuter de quelque chose avec son ingénieur. Allez, séance en direct, on avance tout ça. Et allez hop, premier. Voici les classements combinés après deux séances. La première séance de qualification vient de se terminer. Nous allons donc basculer sur la deuxième séance de qualification MotoGP. 12 pilotes s'affronteront lors des 15 prochaines minutes. Allez hop, on est parti. Le pilote avance pour assurer vers sa un départ lancé toujours. Prendre la piste.
hop, on rentre au stand. Nous nous rendons à l'entrée des stands où le pilote semble vouloir discuter de quelque chose avec son ingénieur. Allez, séance en direct, on avance tout ça. Jetons un coup d'œil. Et voilà, premier. Deuxième séance de qualification. Nous sommes de retour pour le sprint tant attendu de ce samedi. Les pilotes vont effectuer moins de tours, mais ils devront faire leur preuve dès le départ. Nous sommes en direct de la grille où les équipes inspectent une dernière fois les motos. À l'extinction des feux rouges, tout reposera sur les épaules des pilotes. Allez, nous sommes hop, à quelques secondes du départ. Tous les pilotes ont pris place sur la grille. Le drapeau vert est agité à l'arrière. Concentration maximale. Encore une poignée de secondes avant le départ du Grand Prix de Valence. We'll be right back.
Allez, dernier tour. Et voilà, premier. Alors que l'équipe termine, regardons le classement final de la... Bonjour de Valencia. Nous sommes en direct d'Espagne pour le Grand Prix de Valencia. D'ici quelques instants, nous allons passer sur la ligne droite pour le départ de la course de MotoGP. Nous voici sur la grille de départ. Le départ va bientôt être donné. C'est une journée parfaite. Allez, pour c'est la parti. Course. Le soleil brille. Rejoins le circuit. Bon. Hop. Sur la grille. Drapeau vert est agité à l'arrière. Concentration maximale. Encore une poignée de secondes avant le départ du Grand Prix de Valence. Chute, vas-y, ça commence bien. Bougez-vous de là-dedans, là.
Mais vas-y là, bon sang. Oh mais putain qui bouge. Allez, pousse-toi de là. Wow. Allez, coupe. Et hop, encore deux chutes, hein, c'est bon. Wow, on fait calme. Papa. Bah tant pis, hein. À un moment c'est bon. Et à moi la première place. Ah.
redresse. Oh, c'est bon là-haut, on se calme. Les pneus commencent à plus faire effet. Tout à fait ça, les pneus commencent à avoir bobo. Dernier tour. Et voilà. La fin de cette course MotoGP marque également le terme de ce long week-end de course. Il ne nous reste plus qu'à jeter un œil sur le classement final de cette course. Nous sommes de retour au parc fermé avec le vainqueur qui nous a offert aujourd'hui une course parfaite. En plus de la victoire, ce jeune homme a marqué des points décisifs pour le classement mondial.
Les crédits de fin défilent désormais sur ce Grand Prix avec les trois premiers sur le podium pour la cérémonie rituelle de remise des prix. Ça a été une course palpitante et ces trois champions ont tout donné. Les meilleurs pilotes, des circuits aussi passionnants qu'exigeants aux quatre coins du monde et un niveau de compétition sans égal. Peu sont à la hauteur du championnat MotoGP et un seul pilote peut prétendre être le meilleur. Mesdames et messieurs, voici le champion du monde. Et ben voilà, champion du monde, top MotoGP. Donc, hop, et ben moi, comme on dit, je vais m'arrêter là-dessus et aussi sur MotoGP car j'aurais fait le tour du jeu pour moi. Donc, je remercie tous ceux qui sont passés, je remercie tous ceux qui regardent la rediff, et je vais lancer un petit raid chez quelqu'un. Alors, hop. Ah, ah voilà. Hop. Attends. Hop, et ben voilà, et on va partir chez Zineco. Donc merci à tous et on se retrouve une prochaine fois. À plus tout le monde.